fait qu'on soit fan, on a toujours adoré tout ce qui est film science-fiction et fantastique. Et le fait qu'il y ait ce Armageddon, on était emballé à voir venir. Je viens de New York, donc bon. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir des gamins comme ce petit garçon là. Ils sont vachement intéressés par les super-héros. Et rien que donner ça aux jeunes garçons, aux jeunes filles, et même aux parents, c'est que du régal, c'est ouf. Ça fait plaisir parce qu'il faut savoir que moi, dans la vie de tous les jours, en dehors du métier, je suis un gros geek. Et que ce genre de salon, bah, moi, je les fréquente en tant que client. Donc ça fait plaisir d'être là et d'être de l'autre côté de la barrière. Et de voir comment tout s'est organisé, tout s'est préparé, et de voir les coulisses. Donc je suis hyper content, voilà, il y a pas mal de gens que je rencontre, avec qui je fais des photos. C'est plutôt bon esprit et c'est cool. Le concept Armageddon, donc c'est un festival donc, sur la science-fiction, où on y trouve des boutiques avec des produits dérivés, des cosplayers. C'est pour partager un peu le monde de la science-fiction sous toutes ses formes. Donc ça peut être des maquettes, retrouver des objets mythiques de certains films, et puis d'ajouter en même temps la partie musicale de ces films en fait, avec des concerts, des choses comme ça. Sur la deuxième édition, en fait, on a voulu plus marquer le coup au niveau scénique parce que bon, sur la première, une première, ça reste une première, donc on est un peu frileux, on tacle le terrain. Et c'est vrai que là, on a osé un peu plus sur le côté scénique, donc on a chargé un peu plus la programmation. On a des nouveautés, mais aussi des gens qui étaient venus en 2013, qui nous avaient vraiment plu, comme le compteur, qui est un compte interactif, en fait, qui participait avec le public, qui arrive à captiver les gens, et ça marche bien, ça a encore bien marché, on l'a vu aujourd'hui. On l'a fait revenir, des gens comme ça, et des nouveautés avec des concerts, des groupes de musique qu'on essaie de prendre dans comme le groupe de rockabilly, par exemple, pour rappeler un peu le film de Retour à le futur, en recréant le bal des sirènes, voilà. Thank you.